Hey yo les potes, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui c'est parti pour l'épisode 2 de mon Vivi, donc Clash of Clans. Donc maintenant je suis HDV9, mais voilà un peu sur le Vivi qu'on s'était quitté dans le précédent épisode. Donc j'étais HDV6 et vous pouvez quand même pas mal constater que j'ai vraiment évolué. Donc voilà mon HDV7, donc enfin mon village HDV7, puisque maintenant je suis toujours HDV9. Voilà, il commence vraiment à grossir et vous pouvez voir aussi que il est plutôt pas mal. Donc je peux vous le conseiller si vous êtes HDV7, vraiment. Et maintenant, on passe à mon village HDV8 qui lui vraiment reste imposant. Donc voilà. Il reprend un peu la même forme que mon village HDV6 et c'est pour ça que enfin je l'ai gardé quoi. Et pareil. Et donc maintenant, pour rester dans la continuité, j'ai un peu repris la même forme que mon village HDV7. Et donc voilà à quoi ressemble mon village HDV9. Donc je suis passé HDV9 il n'y a pas très longtemps. C'est pour ça que je suis toujours en pleine amélioration ou en pleine fabrication. Et donc voilà. La dernière fois, on s'était quitté où j'avais pas beaucoup de gemmes. Maintenant, j'en ai pas mal. C'est parce que j'ai vraiment rushé les gemmes. C'est pour ça aussi que j'ai 5 cabanes d'ouvriers. Et pareil, j'ai énormément rushé les trophées, c'est pour ça que je suis Crystal 3 avec 2145 trophées aujourd'hui. Donc on passe à mon deuxième village, donc là ce sera rapide. Donc voilà, il a quand même un peu évolué, mais pas énormément. Je suis à la maison des ouvriers niveau 7. Et donc voilà. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à partager. Si vous voulez un deuxième épisode, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. C'était MaTV.